On parlera désormais de la deuxième édition de la Nuit des Arts Martiaux à l'Imparfait. Celle-ci a eu droit de citer le week-end dernier au Club Snack de Douala, avec au programme un menu très alléchant et très attrayant qui a réuni pour la circonstance non seulement plusieurs disciplines martiales, mais aussi et surtout plusieurs grands maîtres et adeptes de ces différentes disciplines. La cérémonie, qui était présidée par le représentant du gouverneur de la région du littoral, a débuté par des allocutions usuelles des représentants des pratiquants de ces différentes disciplines, ainsi que du représentant du gouverneur, puis place a été donnée au spectacle. Tout d'abord, des jeunes, avec des démonstrations de kata et kumite. Puis, place sera donnée aux adultes du deuxième âge et même du troisième âge, sans toutefois oublier les hauts gradés. Et ceci dans plusieurs disciplines, notamment le karaté, le judo, le kung-fu wushu, le taekwondo, le fusharudo, pour ne citer que celles-là. Naturellement, tout ceci à la grande satisfaction des organisateurs. Je suis émue, je suis contente. Voyez tout ce beau monde. Voyez le travail que Canal 2 a fait. Je ne pourrai jamais vous payer. Le monde ne pourra jamais vous payer. Mais Dieu vous payera. La fête, elle est très belle. Le Seigneur a béni. Et tout se passe bien. Tous les Camerounais, tous les pratiquants d'arts martiaux se sont unis comme un seul homme. Et on a retrouvé toutes les disciplines, que ce soit le fusharido, que ce soit le kobudo, le jemsikwen, le kung-fu, le tashi chuan. Toutes ces disciplines se sont retrouvées au même endroit pour l'honneur des arts martiaux. Exit donc la deuxième édition de la Nuit des Arts Martiaux et bienvenue à la troisième édition qui n'a pas attendu puisqu'elle est immédiatement entrée en chantier.